Je suis installée ici à Montreuil depuis 36 ans. Donc je suis fille et petite fille de maraîcher. J'ai toujours été attirée par les légumes. On avait un peu de fruits chez nous, mais dans la région, il n'y en a quand même pas beaucoup. Quand j'ai eu l'opportunité de créer un magasin, tout de suite, je me suis dirigée vers les fruits et légumes. Et je ne regrette rien. Les clients qui rentrent dans la boutique sont tout de suite surpris par les odeurs. Selon les saisons, les odeurs ne sont pas les mêmes. En ce moment, par exemple, on est un petit peu surpris par l'odeur d'ail fumé, parce qu'on vient d'avoir l'ail fumé nouvelle récolte, et ça sent très fort dans le magasin. Bien sûr, l'été, c'est l'odeur des fraises qui domine. L'hiver, c'est surtout l'odeur des ananas et des mangues, des fruits exotiques. Nous nous approvisionnons au marché d'intérêt national à l'OB, c'est le MIL, M-I-L, marché d'intérêt national. Et pour tout ce qui est produit de la région, les maraîchers bien sûr, de la Madeleine, de la Caloterie, les fraises de Montcavrel. Je privilégie quand c'est possible de travailler avec les producteurs locaux. Depuis quelques années, enfin quelques mois, on a mis en place un rayon de produits bio. Très grosse demande auprès des clients. L'éventail des produits a beaucoup évolué au fil des années et j'ai dû m'adapter aux demandes des clients et au fil des saisons, nous essayons de contenter tout le monde. Je fais des corbeilles de fruits sur commande pour des événements divers, des anniversaires, des départs en retraite, des mariages. La dynamique du magasin, c'est l'échange. Nous servons les clients et en même temps, nous discutons avec eux de produits.